Hello, comment vous allez bien? Moi ça va, pas de soucis. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Let's Play. Nouvel épisode où on va faire différentes choses. Et ah, j'ai un petit problème de son. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà, j'entendais plus le système. Donc, on va essayer d'utiliser les Nether Stars que j'ai utilisés. Mais avant ça, petite nouveauté. Alors, j'aimerais vous présenter ici, là, Monsieur Znatz. Monsieur Znatz, où est-il? Où est-il? Où est-il? Où est-il? Pas. Alors, qui est présent sur le serveur depuis un petit bout de temps? Enfin bon, pas très longtemps. Alors, il est ici. Pourquoi est-il présent sur le serveur? Ben, d'une part parce qu'il réalise des vidéos et ensuite, ben, tout simplement parce que c'est mon fils. Et donc, étant donné que c'est mon fils, eh bien, c'est d'ailleurs lui qui m'a fait découvrir Minecraft et je le remercie parce qu'au départ, je me posais la question de savoir qu'est-ce qu'il pouvait bien trouver amusant de jouer avec des blocs comme ça? Moi qui étais un joueur de jeu plus sophistiqué, eh bien, je me suis rendu compte que Minecraft était beaucoup plus sophistiqué qu'il n'en était. Alors, ça fait un moment qu'il est sur le serveur, hein, donc ça explique son armure en or, ça explique son casque nano et son jetpack. Alors, il n'a pas encore réalisé de vidéo feed the beat, il est resté dans du Minecraft Vanilla. Et c'est plutôt un PVPeur. Tu peux nous dire bonjour, Znat. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as peur alors que t'es plein d'armure. J'ai rien en main. C'est quand même terrible ça. Et alors, on va aller visiter ta base. Donc, tu seras ici sur le serveur pour nous accompagner. Oh, là, si tu prends des armes et tu me lances des flèches, ça va pas le faire. Hop. Je ne sais pas qu'il s'épuise à un moment. On va aller visiter ta base. Donc c'est plutôt un joueur de PvP, mais eh bien, il m'étonne souvent et sans aide, il est parvenu. Bon, sans aide, mis à part, je t'ai donné quoi au départ? Une pioche, une pelle, une hache et une épée que j'ai enchantée. Voilà. Voilà, mais C'était sinon. cette pioche-ci, c'est pas. C'était. D'ailleurs, j'ai pas la pioche vu qu'elle est pétée maintenant. Mais c'est l'épée que j'ai enchantée ici. Hein. D'accord. Eh bien, on va aller visiter ta base, parce que toutes les machines, tu les as fait seules, en utilisant les crafts, comme si c'était du vanilla, et en allant chercher les ressources. Et ici, je viens juste de découvrir une belle faille. D'ailleurs, je me demande pourquoi l'eau s'arrête ainsi. Ah oui, il y a un mineshaft au fond. Tiens, ça t'intéresse. Alors, elle est où exactement ta base? Elle est un peu Bah, par là, je elle est. crois. Alors, moi je suis là-bas à 2000 mètres, hein, on est bien loin l'un de l'autre. De toute façon, il n'y a pas de souci. A priori, si il venait à me crier fait, je pourrais le taper dans la vraie vie. Hein, et avec un vachera, un vrai. Non mais, blague à part. Oh, la déco. La déco d'un PVPeur en fait. Hein. Tout content d'avoir tué ces monstres et récupéré des têtes. Et encore là, c'est. Oui, c'est la caverne du diable. Bien, alors tu me présentes ta base, je te suis. Donc tu as des coffres. Ah, c'est pas des coffres en or. Hein. C'est que des coffres en bois. Ah, là, tu as dû. T'as été dans le Nether, toi. Et alors tu t'es fait des pipes, ça c'est pas mal. Des plaques de carbone. J'avoue, je suis assez bluffé que sans aide, t'aies pu réaliser ça. Alors, au niveau machine, explique-moi un peu. Mais les plaques de carbone ici, il n'en reste plus qu'une parce que j'ai fait les bottes, mais j'ai toujours pas de quoi recharger. Je Attends. devais la faire, mais j'ai plus le temps. Ah oui, mais il faut que tu fasses un MFS.
pour recharger, parce qu'avec la bad box tu Un peux pas FSE. effectivement, ouais, un FSE, parce que tu peux pas recharger avec la bad box. Ah, c'est quoi là? C'est un géothermal, donc tu mets de la lave là, d'accord. Et un moteur, tu as quoi? Des moteurs, bah des moteurs au charbon. Mais je te conseille peut-être de transformer ton charbon, si tu utilises ça comme moteur pour l'instant, avec un four qui te permet, qui se construit simplement. Hein, tu vas chercher, ça s'appelle du coke, COKE. Et donc, tu dois construire. Bon, c'est un gros four à construire, mais c'est simplement de l'argile et du sable. Et tu dois faire des blocs et laisser un bloc. Et alors, tu mets ton charbon dedans et ça devient du coke, qui est beaucoup plus puissant et dure plus longtemps que le charbon. Donc, ou bien, moi, si j'étais toi, j'utiliserais la lave. Alors, donc, ça, ici, c'est ta salle machine. Ici, ta table d'enchantement. T'as quel niveau, l'enchantement? En fait, mais j'ai toujours plus de livres. Enfin, je suis pas vraiment concentré à la table d'enchantement. J'ai ici 46 niveaux. 46 niveaux d'XP, d'accord. En fait, tu fais que tuer des mobs. Non, j'ai vu que tu avais fait de la machinerie et pour construire l'armure que tu as, effectivement, il faut avoir cette machinerie. Alors là, je comprends pas pourquoi. Ah, ça charge la bad box en fait. T'as dû charger ton jetpack ou un truc comme ça. Bah, il y avait plus de charbon dans mon four et le four électrique avait tout utilisé. Ah oui, t'as du ballast. T'aimes bien le ballast. C'est bien un petit peu, mais c'est un peu noir quand même. Hein. Le ballast et le marbre. Enfin oui, ça fait spécial. Ça donne un genre. Ça donne un genre caverne du diable, quoi. Et dans le coffre là que tu caches, qu'est-ce qu'il y a? Des minerais. Ah, une turtle en fait. Tu mines avec une turtle. Bah, ça c'est quand j'avais dû partir rapidement. Ah, et là, c'est le livre. Je t'ai donné un livre qui monte, qui va sur mon monde de minage. Mais t'oses pas y aller parce que ça explose. Ouais, parce que j'ai plus besoin de ressources que j'ai plus été. Ouais, mais t'es allé une première fois et les explosions qu'il y a là-bas, c'est terrible. Ah, et là, c'est quoi? J'en ai même pas vu une. Où je descends? Ah, c'est ton portail vers le Nether. Bah, tu peux y rentrer. Ok. Bon, on va pas faire trop long l'épisode, hein, c'était juste une introduction. On en fera, tu me montreras ça. Ouf. Ah. Bah, j'avais construit un truc autour. Je sais pas pourquoi. Apparemment, il avait pas été pris. Ah, mais il n'y a pas de protection, effectivement. Ou alors le portail a été détruit et il en a recréé un autre. Ça, c'est possible. Bien, mais merci pour cette introduction. Amuse-toi bien. On fera des vidéos ensemble quand on aura fait un peu plus de machinerie. Tu sais que Glest est aussi sur le serveur maintenant, hein, et il est aussi tout au début. C'est vraiment la caverne du diable chez toi. Hein. Il y a du feu au-dessus. Ouais, mais Attention. le feu, c'est pour montrer que c'est le Nether. Ouais, c'est bien. C'est attention. Quand tu vois la porte, on dit attention, rentrez pas ici ou je vous tape, quoi. En gros, c'est ça. Mais avec Avajra, ça change Allez, mais rien. 46 XP. Oh, pardon. Je viens de les récupérer. Je suis passé à 62. Ah ben, je te propose de venir chez moi à la base. T'as un livre avec. Voilà. T'as le même livre que j'ai donné à Gels qui permet. Alors, il y a une pioche là. Bah, tu m'as piqué mon livre Non, il y a un livre qui est là, il est là. là. Ah, et il faudrait peut-être que tu me rendes aussi mon dessous en diamant enchanté. Et qui n'est pas en or. Là, tu me donnes ton livre. Ah, c'est mon livre ça. Et c'est quoi ça? Banbaz. Ah oui, c'est à moi tout ça. Qu'est-ce que tu me dis que j'ai pris tes livres? Ça, c'est mon livre. Et ça, c'est celui qui m'amène chez toi. D'accord. Tu vas me mettre. T'avais d'autres choses? À mon avis, ça, j'avais pas. Donc, ça doit être à toi. Hop. T'es parti où là? Là. Ah oui. Non, ça c'est pas moi. C'est pas à toi, Il me donne d'accord. pas des trucs que j'ai pas. Si j'en ai, mais. Par contre, le stock de torches qui est là, oui, ça c'est à moi. Ok, ouais, t'as tout récupéré? Ouais, mais j'avais prévu le coup. J'avais déjà enlevé. J'avais bien fait de me vider dans le coffre. Petit deuxième coup.
Non, ok, mais pour tes XP, tu l'as vu de toute façon, tu étais derrière moi quand j'ai combattu le Winter Boss. Tu sais que dans ma base, tu peux aller. Il y a une jarre pour reprendre des XP, donc pas de soucis. Bon, mais merci pour cette introduction, on l'a fait un peu longue. Mais c'est pas grave. Moi, je vais retourner à la base pour essayer de faire un portal gun. Donc, à bientôt et bon jeu à toi. Bon jeu à toi et j'attends de voir la première vidéo, hein, que tu m'expliques un peu sur une vidéo ce que tu as fait comme machine ici. Hein. Ça serait pas mal. Allez, à bientôt. Hello, me revoilà après une ellipse qui est courte pour vous mais qui est assez longue pour moi. Assez longue pourquoi? Bien parce que j'ai arrêté la partie quand j'ai quitté ZNZ pour revenir ici. Et puis j'ai redémarré la partie. Et bien, il y avait eu un update de Minecraft où j'avais plus la minimap. Je n'avais plus les bouquins. Donc je n'avais plus Mistcraft. Bref, j'étais assez perdu. Et donc, bon, j'ai arrêté un peu de jouer, ça m'a un peu énervé en soi ce changement. Bon, la minimap, c'est vrai, et Mistcraft aussi, tout ça est un peu, on va pas dire cheaté, on va dire que c'est un peu surfait, donc ça permet de faire trop de choses, d'arriver à avoir trop de choses. Mais bon, soit. Donc j'ai arrêté, j'ai commencé quelques épisodes de. Alors vous voyez que tous mes livres ont disparu, tout va, bah, tout mon. J'ai plus rien au niveau livre, on fera avec, hein. Bon, c'est comme ça. Et je vous disais que la minimap avait disparu, effectivement, elle avait disparu. J'en ai donc profité pour faire quelques épisodes de. D'une nouvelle série, Feed the Beast étape par étape, plus destinée à aller plus lentement peut-être dans l'évolution et montrer plus de petites choses. Et si vous voulez tout savoir, j'ai aussi pas mal joué à SimCity. Peut-être je ferai une vidéo, je sais pas si je dois faire une vidéo sur SimCity. Mais bon, c'est un amour de jeunesse, SimCity, et donc sa sortie m'a poussé à y jouer. Bon, je reviens ici dans l'idée de faire un Portal Gun. Ah oui, j'ai toujours plus de nouvelles de guests. Je sais pas s'il regarde la vidéo, peut-être me donner une ou deux news parce que il n'est plus connecté au serveur. Bon, maintenant, avec tous ces changements, ces updates, lui aussi avait des problèmes de machine, il devait changer de machine, donc tout ça doit se cumuler probablement. Voilà, donc, ah oui, j'ai. J'avais fait une machine là, ici pour faire des essais avec ZNZ. Bon, c'est pas mal, ça permet de tuer, bon, de tuer un joueur, de tuer des mobs. C'était pas mal. Bon, je vais pas pousser en avant parce que j'ai pas tout compris, je la comprends pas suffisamment. Je suis pas très guerrier, donc ça m'intéresse pas très très fort. Donc, j'avais dit que j'allais me lancer dans Portal Gun. Alors, vous voyez aussi que le Vajra a changé au niveau icône. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé. Et donc, c'était assez troublant, ce qui explique un peu ce détail. Alors, j'espère que Portal Gun, lui, n'a pas changé. Portal Gun. Alors, je vais me faire un Portal Gun. Bon, il faut d'abord m'en faire un basique avant de commencer par là. C'est avec un miniature All Black et un diamant SS. Oups. Voilà. Et alors, un diamant. On va en prendre un. Le miniature All Black, c'est une étoile entourée de. De. Hop. Voilà. On va faire ça de suite. J'avais un diamant dans cette table. Et on va essayer ce portal gun pour clôturer cet épisode qui a commencé. Et bien voilà, j'ai une étoile et j'ai la nickel. Ah, c'est pas de la nickelite, je crois que c'est de la.
C'était quoi encore? C'est de l'underpearl en poussière. Et de l'underpearl en poussière. Est-ce que j'en avais encore? J'en ai fait un moment. Mais il y a tellement longtemps. Est-ce que j'avais ça? Non. Bon, on va en faire une. On va en faire. On va faire de la poussière d'underpearl. J'espère en avoir encore. J'ai un œil. Mais est-ce que j'ai des underpearl? Ah là là là. Je m'avance. Je n'ai plus d'underpearl, c'est pas possible. Je vais avoir ça, non? Bah, j'aurais juré en avoir. Ça va être gênant. Si je n'ai pas l'Underpearl, ça va être très... Mais j'ai tué Zonderman. Bon, et j'ai plus de livres. J'ai plus de livres pour aller à la Stronghold. Ah, au secours. Au moins qu'ils soient restés dans une de mes tables ou une de mes machines. Arc à flèche. Où aurais-je pu laisser des underpearls? Pas là. Ah! J'ai eu le gros stress. Le gros stress. Alors, mon addiction, le pulvériseur. De l'obespiane pulvérisé. Hop! La poussière d'underpearl. Je sais pas combien ils m'en donnent, donc j'essaie avec une pour voir. Ils m'en donnent une, deux, donc j'ai essayé deux. Et il m'en faut 8. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru ne plus en avoir. Il m'en faut 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. 2. Alors, on va essayer ce portal gun. C'est pas très compliqué, a priori. Ça devrait être fun. D'après ce que j'ai vu déjà en utilisation sur quelques vidéos, et voir un peu ce que je vais pouvoir en faire. Alors, anticipons un peu le besoin. J'ai ça, du fer, c'est pas un problème. Et de l'obsidienne, de l'obsidienne. Alors, c'est le boxon quand même. Hop, voilà. Si pendant qu'il fait ça, je vais aller chercher de l'opsy. Je dois en avoir soit là. Obsidienne. Il m'en faut. J'en ai deux là. Il m'en faut. Eh oui, il m'en faut deux, c'est parfait. On les prend. Et je vais pas me prendre du fer parce que là, il y a des tonnes de fer qui servent à rien. Les recherches. Avec le fer. Bon, c'est pour me construire des armures et ce genre de choses. Donc voilà. Eh bien, on est à mon avis pas mal avancé pour pouvoir faire ce portal gun. Mon étoile, où l'ai-je mise? Je l'ai laissée là-bas, dans l'autre table, décidément. Ta-ta-ta. Et là voilà. Et j'ai laissé ma poussée. Oh! C'est fou ça. Je suis assez perdu. Mais c'est-à-dire que jouer sur deux parties en plus. Non, je l'ai pas laissé sur l'autre table. Où je l'ai mis? Où l'ai-je mis? Ah si. Jouer sur deux parties. Là, je démarre une nouvelle partie étape par étape. Ça me trouble. Top, 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 top. Ah, cette fois-ci, ça devrait être bon. Nether Star, Underpearl, Dust. 13-46. Underpearl, Dust. Mais avec un numéro BE4. Oh là 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 là. On est dans la cata totale avec leur patch, leur update. Je sais pas, j'ai dû faire 4 ou 5 fois l'update du serveur avec des nouvelles versions. C'était. Ça, c'est un peu lourd. Je sais pas ce qu'ils nous font là pour le moment.
Mais c'est vachement lourd. Alors, j'avais mon livre ici. J'espère que normalement ça ne marche que pour la forge. Parce que sinon, je vais avoir des ennuis. Pulvériser. Non, Underpearl. Ben non, il sait pas la changer. Non. Et comment ça se fait? Est-ce que on ne sait jamais? Je peux la faire autrement que avec le pulvériseur, hein, en la brûlant. Idiot, peut-être c'est juste ça. 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 40. Oh, c'est gaffe sur gaffe, hein, le fait de. Mais non, qu'est-ce qu'il me donne? Underpearl Dust. Ça ressemble très fort à la nicolite. Bon. Allons là-bas. C'est un fail sur fail, ce genre de choses. Mais je suis très troublé, hein. Je vous assure que. J'étais dégoûté de me retrouver sans livre. Mais voilà, c'est bon de me retrouver sans livre et avec hop, c'est pas ça. Il faut un diamant à la place de ça, d'accord. Et voilà. Hop, Portal Gun. On va essayer ça tout de suite. Alors le but, bah, c'est comme dans le jeu Portal. Je fais un portail ici. Ah oui, évidemment, ça passera pas avec mon champ de force. Et j'en fais un là. Et si je fais ça, tout. C'est fun quand même. C'est très très fun. Je me doutais que ce serait fun. Alors, comment fait-on pour l'enlever? On le casse, je suppose. Oui. On break le bloc qui est de l'autre côté. Mais voilà, j'ai la Portal Gun. Maintenant, bon, là, je vais pour cette saison attendre que ça se stabilise, savoir ce qui se passe avec, enfin, essayer de comprendre ce qu'il se passe au niveau des patchs et ce genre de choses. Waouh, y a de quoi faire des pièges, hein, avec le Portal Gun. Et alors, il y a moyen de faire un zoom aussi, voilà, si j'en fais un là-bas. C'est assez génial. Et si j'en fais un autre ici, c'est quand même top, hein. C'est quand même très top. Et donc, ben, si il faut que j'arrive à me retrouver pour aller jusqu'à un certain nombre. Et bon, ça peut remplacer les livres. Clairement, ça peut remplacer les livres. Ça peut remplacer les livres. Bien, donc je disais donc que j'allais ralentir un peu sur cette saison. D'une part, ben, pour voir si il y a des joueurs qui me rejoignent sur le serveur et pour ne pas avancer trop par rapport à eux. Et pour pouvoir un peu se troller de manière raisonnable, c'est clair que moi je peux faire plus de choses et c'est plus gênant si on n'est pas à égalité. Par contre, bon, ben, je commence une nouvelle saison. Peut-être je vous ferai des vidéos SimCity, j'en sais rien. En tout cas, j'y joue, ça c'est une chose. Je dors pas beaucoup, ça c'est une autre chose. Mais bon, voilà. Bon, vous connaissez tous le principe de Portal Gun. La plus grosse difficulté étant de réussir à avoir la Nether Star. Mais bon, ça ne m'a pas posé de problème. Alors, le zoom, je ne sais pas jusqu'où on peut le mettre. Et là, je passe pas à travers mon champ de force, en fait. Hey! Il y a mon champ de force qui est dans la zone. Ça a moyen de se déplacer quand même assez. Ah, ce champ de force.
Oula, je passe à travers. Allez. Oh non, encore? Bien, je clôture l'épisode sur ici si j'arrive à aller faire mon portail là-bas. Voilà. Et un autre jaune ici. Ouh, que j'arrive à me déplacer rapidement. Évidemment. Bien, donc, je disais la plus grosse difficulté étant d'avoir des Nether Stars. Et ça ne me pose pas de problème. Bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Épisode un peu spécial, présentation de Z-Nazet. Courte ellipse pour vous, très grosse pour moi, étant donné que, eh bien, tout simplement, tous ces changements, ces updates m'ont fort perturbé. Ça, c'est une chose. Que j'ai joué à SimCity, ça, c'est une autre chose. C'est que j'ai démarré une nouvelle série, étape par étape, c'est une troisième chose. Bien, merci. Laissez-moi vos commentaires. Toujours la même proposition si vous voulez faire des vidéos et jouer sur le serveur. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, je vous assurerai que le serveur est vachement, vachement instable. C'est peut-être aussi pour ça que je n'ai plus de nouvelles de guests. Parce que, en fait, eh bien, bah, à chaque fois qu'il y a un update, je le fais sur le serveur, mais il faut faire l'update sur le client. Si on ne le fait pas sur le client, on a un tas de problèmes. Enfin bon, je sais pas. Voilà, toujours est-il. Merci de m'avoir suivi, portez-vous tous très bien, et on se retrouve dès le prochain épisode sur cette série, ou bien sur une autre vidéo, autre jeu, ou bien encore sur, sur le Minecraft, étape par étape. Merci à vous, portez-vous bien, à plus, ciao, bye bye!